Ok, c'est parti pour cette deuxième vidéo Dark Souls Lore et Design. Donc, je suis dans le refuge des morts vivants. Je viens de me réveiller en tant que mort vivant chevalier. Je viens d'hériter d'une prophétie qui me dit que je dois faire sonner une certaine cloche de l'éveil. Et j'ai récupéré une potion qui me permet de me soigner auprès de... Ah bah, le chevalier a disparu. Auprès du chevalier qui était ici, mais qui a disparu. Par ailleurs, j'avais une marque pour m'expliquer que je pouvais utiliser la potion. Donc, mon chevalier, comme vous le voyez, se déplace très lentement. Donc, on a un ennemi ici. Alors, les ennemis réapparaissent quand on va se reposer au feu. Ce qui est une espèce d'équilibrage intéressant. Bah, parce que quand on va se reposer au feu, on récupère nos vies. Donc, il faut remettre le défi en place. Donc, remettre tous les ennemis. Les ennemis qui sont là, je les avais déjà battus. J'ai deux ennemis. Alors, une chose importante, si on ne fait que taper, comme vous voyez, ma barre verte diminue et je ne peux plus taper. Donc je suis obligé de gérer mon endurance pendant le combat. Autre chose intéressante qui n'est pas indiquée dans les tutoriels du jeu, si je tape et que je lève mon bouclier, la barre verte remonte doucement. Donc en fait, vous ne pouvez pas garder tout le temps votre bouclier si vous voulez vous reposer. Donc j'ai tué cet archer. Et... Ok, alors là j'ai un message qui me dit que je peux taper pendant ma chute. On va voir ça plus tard. Et je peux faire un coup critique en attaquant un ennemi par derrière. Ou une parade en appuyant sur un autre bouton. Alors là il y a un ennemi mais je peux certainement pas l'attaquer par derrière parce qu'il est en face de moi. Voilà, quand je pars un coup, ça déséquilibre mon ennemi aussi. Bon, le combat était assez facile, j'ai pu tuer cet ennemi. Là j'ai une porte, mais qui est verrouillée. Je n'ai pas le choix, je peux pas aller plus loin, il va falloir que j'affronte le boss. Je vais faire usage de ce que j'ai appris ici, c'est-à-dire appuyer sur la touche d'attaque pendant que je tombe. En dessous de moi, le boss. Et le coup que j'ai appris me permet de lui enlever quasiment la moitié des vies. Donc, je peux le taper. Alors, mon personnage est assez costaud, mais il bouge pas vite. Comme vous le voyez. Bon, heureusement, quand je suis par terre, je prends pas de coups. Alors, je fais une roulade pendant que le démon tape. Qui me permet de taper. Là, je suis obligé de recharger mes vies. Enfin, recharger mon endurance. Alors, il n'y a plus beaucoup de vie. Ah mince. Moi non plus. Bon, je vais essayer de m'éloigner et de me régénérer en prenant la potion. Ce qui prend un certain temps. Alors, il est presque mort. Mais moi aussi, donc je vais me re-soigner. Il faudrait que j'arrive à lui mettre un dernier coup. Voilà. Alors j'ai vaincu et je suis récompensé. Alors je reçois un objet qui s'appelle Humanité. Et je reçois 2000 âmes. Donc ma récompense pour ce combat. Alors ce qui est difficile dans Dark Souls, c'est... garder sa... Comment dire... Garder son calme pendant les combats. Je peux regarder un peu le décor aussi. C'est magnifique... je sais pas ce que c'est, un temple, on pourrait dire, peut-être. Alors, je sais pas si vous entendez pendant le streaming, mais... on entend des grands pas aussi. Bon. On verra plus tard s'il y a quelque chose. Je peux ouvrir cette porte. En utilisant ce qui s'appelle la clé du grand pèlerin. Et j'arrive sur ce magnifique décor, c'est un endroit que j'ai toujours adoré. Bien joué, continue tout droit, on me félicite.
ces grandes montagnes au fond. Alors, une chose que je peux faire aussi, c'est aller voir ce que j'ai dans mon inventaire, parce que j'ai quand même récupéré pas mal de choses depuis le début. Donc, une fiole d'astuce, un cristal dont j'ai aucune idée de ce que ça veut dire en l'état, une humanité qui me permet de regagner une humanité, bon, et une marque sombre. Si j'appuie sur une touche, je peux avoir une description plus grande, ce qui va m'apporter des informations sur l'objet. Et ces informations vont aussi me donner des indications sur le lore, sur l'univers de Dark Souls. Donc, les morts-vivants aiment les fioles vertes, comme si la fiole est verte quand elle est vide en réalité. À recharger près d'un feu rend des points de vie. Les fioles sont liées aux gardiennes du feu. Dans les chroniques sombres, on lit « Une fiole vert émeraude, un don de l'âme de la gardienne. Elle vit pour protéger la flamme et meurt pour elle s'il le faut. » Bon, il y a une gardienne du feu, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Un cristal diviseur, symbole d'adieu, peut permettre de bannir des morts vivants. Un objet à utiliser avec circonspection. Humanité. Petit esprit noir trouvé parfois sur les cadavres permet de récupérer un point d'humanité et de nombreux points de vie. On nomme ce petit esprit humanité, mais on sait peu de choses sur sa vraie nature. Si l'âme est la source de toute vie, comment définir spécifiquement l'humanité? Donc on a un objet qui nous ramène des vies. Bon, je vais l'utiliser. Voilà, ça me ramène des vies et comme vous l'avez peut-être vu, ça a augmenté le nombre à côté de mes vies. Bon. C'est l'humanité. Il me semble que j'ai récupéré d'autres objets. Ah oui, bah mon fameux anneau de la sorcière. Une gravure représente une langue inhumaine. Mais il ne semble pas détenir de pouvoir particulier. Bon là j'ai tous mes équipements et les différentes clés. Les clés qui m'ont servi à ouvrir l'accès à la suite du jeu. Bon, je vais juste regarder la clé du grand pèlerin. Clé de la porte intérieure de la salle principale du refuge des morts-vivants, donc cette grande salle qu'on vient de quitter. Une grosse clé appartenant à un pèlerin mort-vivant d'exception, donc en l'occurrence moi. Toutefois, cet élu d'entre les morts-vivants ignore tout de ce que ce pèlerinage lui réserve. Bon, on va voir ce que ce pèlerinage nous réserve. Je peux continuer à avancer. Alors, moi j'ai tendance à regarder un peu partout, ce qui est habituellement plutôt récompensé dans Dark Souls. Alors, je sais pas si y a des choses. Ah bah voilà. Là, il y a un objet. Il me semblait qu'il y avait un truc dans le coin. J'ai récupéré une âme de mort-vivant. Là-bas, je vois un nid. Bon. On verra plus tard ce que fait ce nid. J'aime beaucoup cet endroit. C'est vraiment très beau. Il y a un grand bruit devant. Là, on voit l'endroit où on était juste avant. Ces grandes montagnes magnifiques, et puis on peut avancer jusqu'au bout, ce qui lance cette cinématique. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage. To the land of the ancient lords. Lordran. Donc nous voici à Lordran, le fameux endroit, la terre des seigneurs, the land of the lords, où doit s'accomplir la prophétie. Et cette voix là qu'on a entendue pendant la cinématique nous disait qu'on était un chosen undead. Bon, il y a un feu, et visiblement on peut gagner des niveaux.
Donc les âmes qu'on a récupérées depuis le début du jeu nous permettent d'augmenter les caractéristiques. Donc j'ai plusieurs caractéristiques et quand je commence le jeu, je n'ai aucune idée de ce à quoi elles servent. Je vois que si j'augmente vitalité, ça a l'air d'augmenter mes PV, donc ça c'est mes vies, et les différents trucs où il y a marqué défense physique, défense magique, résistance au feu, résistance à l'électricité. Donc je gagne plusieurs PV et à chaque fois un point de résistance. Volonté a l'air de m'augmenter un peu plus rapidement la défense. Ah, et je vois le nombre de cases de sort aussi. Tout à droite, il y a écrit cases de sort. Bon, j'ai aucune idée de comment utiliser ces sorts, mais je peux augmenter le nombre de cases de sort. L'endurance augmente l'énergie et encore une fois la défense. Donc toutes les caractéristiques ont l'air d'augmenter la défense. Et l'endurance augmente l'énergie et le poids équipé. Alors si je veux des informations, je peux appuyer sur un bouton. Qui n'est pas du tout. C'est pas du tout évident pour moi quel est ce bouton. Non, c'est pas celui-là. Explication. Je suis pas du tout un joueur PlayStation, alors. Ah, j'ai compris. Non, j'ai pas compris. Tant pis. On verra plus tard pour les explications. Les explications nous donnent quelques éléments sur le, bon, sur à quoi servent les caractéristiques. On verra un peu plus tard. Moi, là, ce qui va m'intéresser, donc vous voyez, j'ai force qui augmente les dégâts, dextérité qui a l'air un peu d'augmenter les dégâts aussi, résistance qui a l'air d'augmenter plus vite la défense, intelligence qui ne fait rien, foi qui ne fait pas grand-chose non plus. Et humanité que j'ai augmenté à 1 grâce à l'humanité que j'ai consommée. Pour commencer le jeu, je vais faire un petit choix, c'est que je vais augmenter mon endurance et mon poids équipé. Pourquoi ? Parce que mon personnage est très très lent avec son armure en ce moment, et je veux qu'il puisse faire des roulades beaucoup plus facilement. Donc augmenter mon endurance va m'aider à ça. J'accepte. Et ça augmente le niveau de mon personnage et sa capacité à porter des équipements. Bon, j'ai d'autres options, mais on les verra plus tard. Ok. Bon, je fais toujours des roulades lentes. Et là, j'ai un petit gars. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. Too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blighttown. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land, the undead? Alors, là, il y a encore l'ironie de Dark Souls qui se présente à nous. La voix qu'on a entendue pendant la cinématique nous dit « Oui, on est le mort-vivant choisi et on doit aller sur la terre des seigneurs. » Et quand on arrive, on a ce gars qui parle très ironiquement de cette prophétie et nous dit non mais en fait on t'a raconté n'importe quoi, il y a deux cloches de l'éveil, puis doit se passer quelque chose, mais franchement tu devrais rester là à rien faire. Ah, your face. You're practically hollow. But who knows? Going hollow could solve quite a bit. Et il se marre à chaque fois qu'il nous parle. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. Bon.
On peut visiblement redevenir humain. Et j'ai cette option ici, on va l'utiliser. Et on peut utiliser en fait un de nos points d'humanité pour redevenir humain. Donc maintenant mon personnage ne ressemble plus à un mort vivant. On va voir s'il y a une autre réaction. Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. Well, listen carefully then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins and access the undead burrow through the waterway. The other bell is back down below the undead burrow, within the plague-infested Blight Town. But I'd die again before I step foot in that cesspool. Donc un autre truc très intéressant et très différent dans Dark Souls par rapport à d'autres jeux, c'est que on a un personnage qui au final nous donne des indications, mais il faut l'interroger 5 fois avant qu'il nous donne une explication intéressante sur qu'est-ce qu'on est censé faire. Alors il nous a dit, faut monter un escalier, ça a l'air de ressembler à ça, et aller dans un village des morts vivants. Bon. Ça a l'air d'être l'endroit le plus intéressant où aller en ce moment. Mais je vais quand même faire un petit tour du nouveau héros de Lord Ran pour voir s'il y a autre chose à faire. Alors déjà j'ai récupéré 3 humanités, c'est sympa. Alors je vous préviens, on va se balader lentement. Hein, tant que notre endurance n'est pas assez élevée, notre personnage il va courir à cette vitesse. Alors là j'ai une espèce de temple. Ah tiens, avec le corbeau qui nous a amené jusqu'ici. Des pots. Et si je vais au bout du temple, je vois qu'il y a une statue. Alors cette statue, elle porte un bébé. C'est une statue qui a l'air à moitié en bois, ou alors elle est assise sur un trône en bois. Une mère avec son enfant. Alors, je sais pas trop quoi en tirer. J'ai lu quelques théories sur ses enfants et ses mères. Bon. Toujours est-il que je trouve ça intéressant de mettre un petit bébé au début du jeu, parce que c'est un peu l'état du joueur quand on commence. Et cette mère avec ce bébé, c'est d'une certaine manière aussi une image rassurante. Et là, on est dans un endroit plutôt rassurant, avec une musique douce, un temple en ruine, herbeux, enfin c'est assez sympa comme endroit. Allons voir ce qu'il y a par là. Alors j'ai cru voir une âme là-haut, donc je vais monter l'escalier. Visiblement je peux aussi aller par là-bas. Alors j'appelle ça une âme, mais en fait c'est un objet. Je vais aller le récupérer en faisant le tour. Et en me traînant comme une patate. Ok, c'est une âme de mort vivant. On verra un peu plus tard à quoi ça sert. Peut-être tomber directement là. Ah oui, j'ai vu un autre endroit là-bas. Mais il a pas l'air super accueillant. Alors. On va peut-être y aller, parce que là j'aimerais bien récupérer cet objet là, mais c'est pas le meilleur moment. On va faire un petit essai, mais à mon avis, voilà, bon, il y a des squelettes, ça on pouvait s'y attendre. Je sais qu'il n'y a qu'un seul squelette, c'est possible. Ce qui est intéressant avec ce squelette, c'est que je ne lui fais aucun dégât, donc c'est pas le moment de le combattre, et je vais m'en aller en courant aussi vite que je peux, c'est-à-dire pas très vite. Alors, régénérer un peu l'ambiance. Je sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au feu, on va voir. Ok. J'ai pu aller jusqu'au feu, ce qui fait redisparaître les ennemis et ce qui me permet de repartir à l'aventure sans être poursuivi par un squelette qui court plus vite que moi. Là, il n'y a rien. Là, il y a un endroit. Il y a un autre endroit derrière moi.
et un objet. Bombe incendiaire. Ok. Qu'est-ce que c'est? Explose, dégâts de feu. Bon, très bien. Alors ce sont des objets, je peux les placer comme objet ici. Et ça va me permettre de lancer des bombes pour tuer des ennemis si j'ai besoin. Il y a un autre endroit. Avec un gars. Emote. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Bon, ce mec a pas l'air super sympa. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. Ah, mais il en a conscience. That it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Une pièce de cuir. Alors, je sais pas si il me fait la manche. Oh my, you again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Ah, ça c'est intéressant. Very well. Then first, a covenant with the gods. Ok. Visiblement, j'ai prêté un serment. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Donc, une fois encore, Dark Souls fait les choses à l'envers. Pour obtenir ce qui a l'air d'être une fonctionnalité du jeu importante, comme acheter des miracles, il faut parler trois fois à un gars très antipathique qui nous donne un objet et qui n'a pas l'air du tout d'avoir envie de nous parler. Ce gars-là, quand même, nous dit quelque chose d'intéressant qui nous aide à comprendre le système de jeu. Il nous dit « Les miracles dépendent de votre foi ». Et on a vu qu'il y avait une caractéristique foi. Donc maintenant... cette caractéristique avait l'air de ne pas servir à grand chose. Maintenant, on sait à quoi elle sert. En tout cas, si on réfléchit, on sait à quoi elle sert. Elle doit servir à lancer ses sorts. Bon, sauf que pour les acheter, ça coûte très cher. Je vois, 10 000, 8 000, 4 000, 4 000. Bon, c'est un peu cher. Bon, on verra ça plus tard. Il vend aussi des talismans qui servent à lancer les miracles des dieux. Bon, dans tous les cas, tout ça est beaucoup trop cher. Je peux rien en faire. On peut apprendre une note. Et... Come again. Okay. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Bon, ils sont sympas, ils nous le répètent plusieurs fois. Bon, ça, c'est toujours rigolo. Je continue mon exploration du lieu. On arrive aux 20 minutes de jeu. Et on va s'arrêter à la fin de la zone. Ok, ah, bah j'ai quelque chose. Une âme de mort-vivant. On verra à quoi ça sert dans la prochaine session. Mm-hmm. Un ascenseur. Alors là, je vais aller à un endroit où on ne va que si on connaît le jeu. Donc en fait, je descends ici. Il aurait pu y avoir un trou, mais il se trouve qu'il n'y a pas un trou. Il y a en fait un passage secret qui nous amène à un endroit avec des coffres. Donc récompense de l'exploration, encore une fois. Allez, torbe rouge fissurée. Ah, tiens, un talisman, le fameux talisman qui était vendu et une masse d'armes. Ça, c'est intéressant. Et un os du roto. On verra plus tard à quoi ça sert. Vu que j'ai récupéré une masse d'armes, je vais voir ce qu'elle fait. Alors, dégâts 82 plus 7, 83 plus 5. Et on voit qu'il y a un effet, si vous regardez en bas à gauche, c'est marqué effet auxiliaire avec une petite tache. Donc c'est un effet de saignement. Bon, je vais prendre cette masse. On voit aussi, alors je ne sais pas si c'est visible. Non, dégâts physiques seulement. Mais là, si on regarde, type d'attaque est stock, ce qui est une mauvaise traduction, en fait c'est contendant. Ah, quoique ça se trouve, ça fait vraiment de l'estoc. Type d'attaque régulière. Bon, on va prendre ça.
Et on va prendre ça. Ah bah tiens, un autre coffre. Pour une raison particulière. Talisman de l'œil. On verra plus tard. Alors je redescends et là j'ai mes amis squelettes. Donc je vais essayer de remonter et pas me faire attaquer par les squelettes. Mais vu qu'ils me suivent, je vais essayer de les taper. Alors là, un truc intéressant, c'est que ma masse a l'air de les faire s'effondrer en morceaux. Ouh, faut pas que je fasse de roulade. Bon, je pense que je vais me faire tuer. Voilà, j'ai très peu de vie. Je me soigne un peu. Je vais voir si je peux pas... Ah, putain, j'ai l'impression que... Ah non. Alors, ouais. Les plumes de l'oiseau, c'est pas trop pratique. Quand je peux les taper, ça les fait tomber. Ça sera un peu plus facile pour les tuer, du coup. Voilà. Ouais. On va soigner. Bon, j'ai 10 fioles. Si j'arrivais à les faire tomber tous les deux, ce serait pas mal. Faut que je redémarre mon endurance. Bon, je vais essayer de le faire petit à petit, hein, parce que... Là, j'ai réussi à les taper tous les deux, donc j'en profite pour enchaîner. Hop. Voilà, j'en ai eu un. Ce sera plus facile d'avoir l'autre. Je vais prendre ma masse à deux mains et je vais faire plus de dégâts. Super, j'ai eu le second. Alors, combat un peu long, mais on a appris pas mal de choses. On a appris bah, déjà qu'il y avait des armes différentes et que les armes peuvent avoir des effets différents. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vais repartir au feu et je vais arrêter cette vidéo à ce moment-là. Et on va partir ensuite sur une troisième vidéo où on ira explorer l'endroit où on nous a dit d'aller, c'est-à-dire monter l'escalier et aller vers l'aqueduc. C'était le donneur de leçons, à la prochaine.